Petite voix off avant de commencer cette vidéo. Tout d'abord, il y a eu une énorme coupure par rapport à ce boss. J'y étais pendant 50 minutes et j'ai fait au moins une vidéo et demie avec ce boss. Et au final, je me suis fait tuer. Pour savoir ce qui s'est passé après cette première défaite, je suis parti aller acheter au Royaume Champignon environ une trentaine de canons. Après, avec ces trentaines de canons, j'ai dû faire 10 minutes de boss pour terminer. L'instant que vous allez voir est la fin de ce boss. J'espère que j'ai été clair et que vous allez passer une bonne vidéo. Bonne vidéo! J'ai réussi! GG. Bon, cher Jean, je viens de me lever comme ça. Bon, pour vous, ça a été très rapide, mais j'ai compris pourquoi ça n'a pas été rapide. Et maintenant que je savais où esquiver et quoi faire, c'est bon. Alors, comment dire, j'étais depuis 45 minutes et là je l'ai fait en 7 minutes. Ça change beaucoup. Bon. J'étais pas prêt. Et voilà. Tiens aussi, peut-être que. Je sais pas quand ça a été coupé, mais j'ai vraiment fait 45 minutes, 50 minutes du boss et j'ai fini par mourir. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Et là, ben, je suis mort, donc je l'ai refait. Et là, je l'ai fait en 7 minutes top chrono. Voilà. Et sinon, j'ai pas dit bonjour comme ça. Voilà, bonjour les gens, aujourd'hui épisode 20. Ah, c'est bien ça, épisode 20. Donc voilà, épisode 20, on vient enfin de terminer ceci. Je vous ai coupé toute la scène parce que c'est. J'ai supprimé moi-même le règle parce qu'il durait 50 minutes. Non, 45, allez, je suis sympa. Donc voilà. Alors, comment dire que pendant ma petite défaite, j'ai acheté un nombre tout petit de 50 canons. Non, parce que j'avais plus rien et les canons, ça fait des dégâts. Et vu que j'avais compris comment ça marchait, je l'ai tout mis dans la gueule. Donc voilà, c'est comme ça que je marche. Bon, Luigi a pas l'air d'avoir besoin de ça, peut-être de vie. Évidemment, quand je veux mettre de la vie, il n'y en a pas. Donc voilà les gens, bah, je vais refaire un épisode en entier. Ça fait 2h30 que j'y suis sur ce jeu. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme si j'ai fait 30 minutes chacun. Non, d'une tompipe. D'accord, j'étais pas prêt au jeu de mots. Ils m'ont battu. Ah, il a pas content. Imbécile! Ce ne sont pas des façons de traiter une dame. Non, mais celle qui a attaqué, celle qui a donné la gifle. Oh, mon chéri, tu as repris du poil de la bête. Ouais. Oh, je sais, on va descendre en se mettant sur la tête du monsieur. Je suis obligé, c'est sûr que ça doit être ça. Quoi, vous voulez sauver une jolie dame? Exactement. Voilà, nous sommes des gentlemen et nous voulons sauver une magnifique dame. Vous comptez sauter dans le volcan pour sauver cette jolie dame? Allez, là, il va Ah, dire Yuan, ça. saute dans le volcan. Non. Vous êtes jeune et bête. Vous avez un gros ventre, mais une tête vide. Toutefois, sauver cette jolie dame est une mission importante. Oui. Vous comptez réellement sauter là-dedans? Allons dans ce cratère. Le volcan est certes éteint, mais tant pis. Tous les quatre, sautez sur moi. C'est parti, sautons sur le monsieur. One. Two. Et Luigi, comment il va, le petit bébé? Luigi, tu prends ton bébé? Tu prends ton petit frère? Et il monte tout seul. Ah. Voilà. Oui, il y aura besoin d'aide pour monter. D'accord. C'est parti, nous allons descendre. Bon, après cet épisode, j'en ai marre. C'est bon, ça fait 3h30 que je joue au jeu. Oh, c'est si excitant. Moi aussi, je veux venir mon tombe en sucre. D'accord. Tu es trop lourde. Ah! Pardon! Comment oses-tu? Elle a pas l'air contente. D'accord. Nyaaam. Gouja. Et c'est parti pour une nouvelle zone et on a un truc sauvegarde. J'ai envie d'arrêter la vidéo parce que j'ai l'impression que ça fait 45 minutes bah, que la vidéo dure. Et bon, on va faire cette zone et après on va s'arrêter là. Cette vidéo va durer 20 minutes max. Ouais, en plus, elle a l'air grande la zone, je sais pas comment je vais faire. Ah, elle est effrayante. Elle va me le faire payer, c'est certain. D'accord. Vous savez maintenant pourquoi il faut bien traiter les dames. Oui, maintenant, on voit ça. La jolie dame que vous cherchez est là, quelque part. Est-ce que quelqu'un l'a enlevée? Oui, on vous explique, voilà. Explique-toi un rocher, parce que c'est bien d'expliquer les trucs à un rocher. Oh. Pouf, j'avais envie de remettre ça comme ça. Voilà.
Mouahaha, c'est un cratère, ça pue, c'est dangereux et il fait chaud. Le risque d'incendie est énorme. Je l'adore, c'est l'endroit idéal pour la construction de mon deuxième château. Mouahaha. Cet endroit est si sordide, il bouillonne et il empeste les ennuis. Je sais pas si c'est le Bowser du passé ou si c'est Bowser Junior. Il en impose tellement l'endroit parfait pour ériger mon deuxième château. Ça doit être le bébé Bowser. Enfin, le bébé, non. Oui, le bébé, mais pas bébé Bowser tout court. Et toi là-bas, et toi là-bas. Cet endroit m'appartient qu'à moi, Microbe. Arrache-toi de là, vieux Schnock. Cet endroit est à moi. Je t'ai déjà vu quelque part, ouais, tu sembles juste être plus grand et plus gros. Sale copieur. L'imposteur, c'est toi. Tu as beau marcher et parler comme moi, tu ne m'arrives pas à la cheville. Je ne te trouve pas très poli, gros patapouf. Quitte à enlever les tchoumpes. Quitte à élever, pardon, pas enlever. C'est toi qui ne sais pas te comporter, haleine de Goomba. Tu n'es qu'un bon à rien. D'accord. Les deux messieurs ont l'air de s'entendre très bien. Voilà. Bon. Là, c'était que pour la scène chargeant. Pourquoi écran noir? Ok. Ok. Très longue histoire, mais j'ai compris. Voilà, c'est tous les gens, je vais vous remettre le bas. Voilà. Mais j'ai compris. Le grand Bowser se trouve au fond du volcan. Bien. Dépêchez-vous de sauver la jolie dame. Pour monter, faites-moi signe. Ma femme est en colère, mais j'y retourne quand même. D'accord. Bon. Ah. C'est long quand même. Bon, on va visiter un peu la zone, on va essayer de deviner ce qu'il faut faire et après on va s'arrêter là. Même si on est une somme qu'à 13 minutes, mais on va dire que j'ai fait un sacré tryhard. Comment ça marche ça? Faut marcher comme ça? Il doit avoir un pouvoir que je n'ai pas encore accès. Ça doit être ça. Je vais voir comment ça marche. On va aller à droite. Parce que je sais pas, à droite ça a l'air d'être mieux. Bon, c'est rare que je vois autant de trucs dans un volcan, mais bon, pourquoi pas? Ok, les enfants, je vous laisse ici, je vous abandonne. J'ai peut-être une idée, mais est-ce que c'est ça? Non, ok, je sais ce qu'il faut faire. Ok. Bon, la musique, ouais, elle est normale, quoi, elle est. C'est pas comme si je m'en rappellerais toute ma vie. Comment ça marche? Comment on descend? Ouais, comme ça. Argent! Regardez, je suis en train de me rembourser tout ce que j'ai payé. Bon, c'est marrant, on descend tranquillement. Bon. Je vais y aller comme ça. Désolé, mais. Tout ça pour ça? Ah, oh, d'accord, je viens de perdre tout ça pour ça. Je sais pas où est. Alors. Comme ça? Attendez. Bon, c'est bien, c'est tout en haut, mais comment je fais, comment je ramène les frères en bas? C'est la question que je me pose. Et ça, je sens que ça va faire mal. Ah, là, parfait. Nickel, j'avais besoin de ça. Bon. Les frères, vous vous rejoignez, s'il vous plaît. Bon. Fleurs clonées. Ah, d'un coup, il y en a plus de ces fleurs. Mini chomp, d'accord. Je suis sûr on peut les ramener là-dedans. Ils aiment bien faire des trous quand même. Avec le pire des mobs à l'intérieur. Pourquoi il fait une tour là? J'ai peur, j'aime pas les tours. Hop. J'imagine que si je tape au pied, ça peut faire mal. Je sais pas, pure intuition. Ouais, je pense que si je tue le pied en premier, ça peut être marrant. Peut-être qu'il va tomber, peut-être qu'il y aura une faille. Bon, mon truc frigo là, je sais pas quoi, comme je l'ai dit à 2-3 épisodes. Bah, il va perdre son pied. Voilà. Bon. Bon. Bon, quand même, c'est un par un quand même. Genre, ça leur fait clairement pas mal. J'ai un peu peur là. Les enfants sont en train de se faire one shot. On va légèrement fuir. Très légèrement. Oui, je sais, c'est pas bien de fuir, mais bon.
Je pense que ça sera l'épisode le plus court du monde. Je sais pas pourquoi je le sens. Échappez-vous les enfants, vous avez plus de vie, vous allez tous mourir. Voilà. Alors, objet. Alors j'ai quand même gaspillé un truc qui donne une trentaine, quarantaine. Pour rien. Bon, faisons-les entrer ici. Hein. Bon, par contre, j'ai peur d'un truc, c'est que je serai obligé de continuer le jeu. Voici ma réaction quand je me dis que je vais devoir continuer le jeu. Non. Bon, d'ailleurs, faut que je les combatte ces trucs parce que je les ai jamais vraiment combattus. Ouais, j'en combattrai un, juste pour vous. Peut-être que je vais m'attendre à la pire des surprises. Oula, ça me fait peur. Oula, waouh, c'est quoi cette langue là? Elle est enflammée ou quoi? Mais pourquoi je fais un dégât quand je saute? Déjà, la question c'est pourquoi je fais un dégât tout court. Mais pourquoi je fais un dégât? C'est quoi le délire de ce volcan? Regardez, un dégât. C'est systématique. Ah, il est invisible. Je pense mettre du feu dans un endroit de feu, c'est pas la meilleure des idées. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas pourquoi je fais un dégât. C'est une... Regardez, un, deux dégâts. En fait, faut que j'attende qu'il fuit ou quoi? Bon, les gens. On va fuir. Vous allez me dire, je fuis tout le temps. C'est pas drôle. Oui, mais... Comment je peux tuer des gens avec un seul de dégâts? Alors, c'est... Je sais pas comment... Je sais pas comment et je sais pas c'est quoi leur délire à Nintendo. Mais bon. Bon, on va essayer de continuer. Atteindre au moins le truc en bas à gauche, là. C'est quoi ça? Pourquoi il y a une flèche ici? Hein? Je pense avoir une idée. Voilà. Ah. C'est quoi ça? C'est un quiz? Oui? Oh, Twin venu. C'est le mini-jeu d'arcade des frères Tomp. Toi, que vous voulez-vous dire? Vous croyez que je suis tout seul? Toi, n'importe quoi, petit frère est là-haut. Toi alors, vous allez jouer? Terminer une partie pour avancer. Comme vous jouez pour la première fois, c'est gratuit. Hein. D'accord. Très bien. Voici les règles. Vous voyez le canon? Mettez-y une boule n'importe laquelle. Une fois la boule à l'intérieur, frappez le bouton de droite. Hein? Et comment on met une boule? Oh non, on va pas s'automettre. On va s'automettre. C'est du génie. Mais Nintendo, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? La boule est alors propulsée dans les airs. Maintenant, vous devez la diriger. Ah, faut prendre le diamant, j'imagine. Vous voyez ces gemmes, ramassez-en maximum. Plus il y a de gemmes, plus il y a de gains. Ok. Merde, je tombe tout en bas, chef. Je suis un peu débile. Je veux refaire. Je veux refaire. J'en ai eu un ou deux max. La roue s'est mise à tourner. Frappez le bouton pour l'arrêter. Obtenez trois images identiques pour gagner le gros lot. Ça va, ça vaut le coup. Ok. Puisque vous avez trois gemmes, vous avez le droit à trois tours de roue. Ok. Ok, ça a l'air très intéressant leur truc. Merde. C'est nul, une pièce. Tournez la roue encore deux fois, tournez, je vais la tourner. C'est nul, une pièce. Bon, c'est pour gagner de l'argent, mais bon, tourner la roue encore une fois, tourner, oui, on va la tourner. Étoile. Voilà, c'est tout. C'est nul, une pièce. Vous voulez rejouer ces 100 pièces la partie? Non.
vous êtes bien défendu, à bientôt. D'accord, je viens de jouer à un truc un peu what the fuck. C'est dommage, j'aurais pu faire un bon gros gain. Ce que je n'ai pas fait, évidemment. Non mais je veux pas les pouvoirs, pourquoi il y a les petits là qui utilisent leurs pouvoirs. Bon, je viens avec vous Mario, voilà. Bon. La vidéo peut durer 30-40 minutes, je ne sais pas. Bon. Non, pas ça, j'aime plus ça, je veux qui. C'est vrai que je gagne 0 XP à force de fuir, mais bon. On va dire qu'ils me font peur maintenant. Bon. Ouais, non, partez vite, ouf. Partez vite avant de vous faire, comment dire, sans avoir... Pourquoi il est enflammé, lui? Jamais l'a vu, je sais. Tu crois quoi? Moi, je viens pas comme ça et je vais aider les gens, moi. Enfin. Et si c'est un monstre, je me tue. Ah, voilà, Maxi Champi, voilà, c'est ce qu'on attendait. Bon, Luigi a l'air d'avoir pris un peu cher, donc faut lui donner un champi. On se demande bien pourquoi d'ailleurs, clin d'œil. Bon, ils ont pas l'air d'être motivés par moi, donc bah, on va un peu les esquiver. C'est quoi d'ailleurs? Ce symbole me semble tellement familier. Je vous conseille de tous vous placer dessus. Clin d'œil, clin d'œil. Bizarrement, il y a un symbole où il faut tous se placer dessus et en plus il y a ça. Pourquoi on va descendre, on va monter? Tombe 4 à bord. Nous descendons. Ah. Waouh. Bien sûr, un ascenseur, j'aurais dû le deviner. Vous croyez qu'il peut descendre encore plus bas? Tombe, un bloc entrave la voie. Nous y aurons nulle part. D'accord. Pour descendre, il faut faire disparaître le bloc. J'ai pas compris, oh là là. Bon, chargeant. 23 minutes, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Nous nous retrouvons dans peut-être jeudi ou peut-être mardi pour la suite. Selon moi, on finit ce monde. Là, on va potentiellement combattre Bowser, j'imagine, ça m'a l'air logique. Et après, on va aller dans le château de la princesse avec, les aliens et tout. Donc voilà les gens, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Nous nous retrouvons pour l'épisode 21, dans pas longtemps. Voilà, merci d'avoir regardé. Ciao tout le monde, bye bye.